Il y a un thème, Anissa, nous sommes petites cailles, nous ne pouvons pas dormir dehors. Tenez compte de cela, bon Dieu, te fait nos grâces, nous t'es envisagé. Il y a un texte pour nous tirer un titre qui dit, comme ça, un appel à bien gérer votre temps. Un appel à bien gérer votre temps. Eh bien, quand on a besoin une lecture qui marchait à thème ça, c'est dans Acte des Apôtres, chapitre 17, nous allons lire les versets 30 et versets 31. Acte 17, versets 30 et versets 31. Le texte dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Un appel à bien gérer votre temps. La Bible raconte l'histoire de deux hommes qui vivent sur la terre. Yon derele Lazare et l'autre là, yon connaît sous le nom d'un homme riche. Selon l'histoire, Lazare avait la crainte pour Dieu. Et bien qu'il soit pauvre, il était toujours remé, bon Dieu. Les Lazare mourut, selon l'histoire. Il était reçu dans le sein d'Abraham. Peu de temps après, l'homme riche qui vivait dans l'opulence, il était mouru également. Cependant, l'homme riche ça, il était trouvé dans les tourments parce qu'il ne craignait à Dieu. Selon ou même, qui est-ce dans deux mouns qui t'es bien géré tant? Ou capable de dire, sans doute, c'est l'homme riche. Mais, contrairement à votre éventuelle réponse, c'est Lazare qui a fait une gestion efficace de son temps parce qu'il avait la crainte pour Dieu. Dans sa vie terrestre. À l'instar de Lazare, vous aussi, vous pouvez bien gérer votre temps. Deux questions où tu es capable de poser. Comment une personne peut-elle bien gérer son temps? Deuxièmement, pourquoi bien gérer son temps? À la lumière des passages bibliques et surtout à travers le texte que nous sommes lus là, le Seigneur va nous permettre de vous apporter des réponses adéquates à ces deux interrogations. Comment bien gérer son temps? Question ça est capable de soulever une multitude de réponses. Mais texte que nous gagnons, texte de base, donc, acte 17, verset 30 et verset 31, l'identifier pour nous au moins deux moyens par lesquels l'homme peut bien gérer son temps. Vous pouvez bien gérer votre temps, premièrement, en s'appropriant à la grâce de Dieu. Lisez avec moi, acte 17, verset 30a. Qui dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Mesdames, messieurs, chers auditeurs, est-ce que au moins une fois ça va qu'on arrive ou à chercher un objet, ou chercher, ou pas jamais joindre. Pourtant, objet à là, il est tout près. Qui ça fait ça? C'est à cause de l'ignorance, ou pas qu'on est. Côté lié.
De même, selon Acte 17, au premier siècle de l'ère chrétienne, il y avait des philosophes athéniens. Ces gens-là étaient dans l'ignorance. Comment ils ont ignoré la possibilité que mon Dieu baille pour approprier nous de grâce-là? C'est-à-dire, pour nous faire grâce, mon Dieu, à pas nous. Yo te nan égarement. Atteignez sa yo, pas de connaître, femme avec son yo, zami nou yo, éternote nou yo. Yo pas de jam connaître, si grâce bon Dieu a, c'est pour grand missilité. Athènes, d'alors, la capitale de la Grèce, l'été représenté yon centre culturel très actif, et parmi université qui pi ancien yo, nous te jeunes université très réputée de par le monde. Athènes était en quelque sorte la capitale intellectuelle du monde. Athènes abrita les plus grands philosophes comme Socrate, Platon, Aristote. Les Athéniens, notamment les philosophes, ils ont montré supérieurs à toute l'autre nation qui t'a vive sous la terre. Malheureusement, ils étaient dans l'ignorance. Ils étaient plongés dans l'idolâtrie au point que ils ont érigé un hôtel avec inscription ça à un dieu inconnu. Gardez pour vous, Acte 17, verset 23. Bien que les Athéniens soient les citoyens les plus civilisés de leur époque, ils étaient aveuglés, pensant que eux-mêmes pour compte, ils étaient capables de trouver bon Dieu avec effort par eux. Situation ça est offrie à apôtre Paul une occasion favorable pour te présenter le Dieu créateur qui peut être connu des hommes. Ainsi, Paul leur dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, c'est-à-dire des temps où les hommes ne le connaissent pas. Dieu a laissé les péchés impunis auparavant, au temps de sa patience. Frères et sœurs, amis des ondes, chers internautes, comme cela était possible pour les Athéniens, aujourd'hui encore, Dieu veut oublier votre temps d'ignorance. Toutes les actions secrètes ou non que vous avez commises en dehors de sa volonté, ou du moins de la volonté de Dieu, Dieu veut maintenant n'en plus tenir compte, qu'il soit l'idolâtrie, la magie, l'avarice, la promiscuité, la débauche, le meurtre, l'adultère, l'immoralité, l'impureté, le vol, le mensonge, etc. Nous t'avons connu à Soya que bon Dieu qui t'a péché ça yo sans puni parce qu'elle considérait l'autre à commettre yo ou t'es dans ignorance ou pas de connaître. Dieu est prêt à couner pour oublier tout état d'égarement, parce que Dieu est le Dieu qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Exode, chapitre 20, verset 6. Et si Dieu ne pardonnait pas, qui aurait subsisté? Moi, votre serviteur qui vous parle, je suis le produit du pardon de Dieu. Je suis le produit de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul lui-même, au premier siècle, il te reconnaît l'état d'ignorance que il te témoigné la grâce de Dieu en sa faveur lorsqu'il dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un homme violent, et persécuteur. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité.
titre premier, verset 13. Il raconte l'histoire d'un professeur de mathématiques qui voulait évaluer la capacité élève Lio. À élève Sao, il était soumis 5 exercices. Parmi les exercices, il y a un numéro qui devait être difficile pour élève parce que le professeur n'a pas de travail sur le numéro A avec lui. Le professeur a corrigé le texte. Il a remarqué que le numéro mathématique, ça n'a pas de élève qui lui fait jouer. C'est là. Il vient rendre compte que l'élève a ignoré la formule qui est capable d'aider à résoudre le numéro mathématique. Ça. Comme ça, le professeur a éliminé le numéro A. Il n'a pas tenu compte de lui. Même j'en avec professeur mathématique conscient ça. Dieu, qu'on y a même, il voulait éliminer tout péché qui a été commis dans l'ignorance. David, dans les temps bibliques, il te dit, à la bon, ça bon, les bon Dieu pardonne péché yon moun. À la bon, ça bon, les bon Dieu pas gardé sous faute yon moun fait. Et plus près de nous, un serviteur expérimenté qui t'a bénéficié le pardon de Dieu, il t'a écrit pour te motiver moun, comment que bon Dieu fait grâce. Il dit, nous voulons marcher vers le ciel, voulez-vous venir? Jouir de salut éternel, voulez-vous venir? Il dit, des milliers de pécheurs sont déjà arrivés. Tous leurs mots, leurs travaux sont passés, sont oubliés. Il y a un deuxième moyen que Dieu donne pour bien gérer son temps. C'est par la repentance. On peut bien gérer son temps, non seulement en s'appropriant à la grâce de Dieu, aussi en se repentant. Le dictionnaire Larousse traduit le terme « se repentir » ainsi. Avoir un vif regret. Tandis que le théologien Henri Saint-Hyacinthe lui définit concept repentance comme un changement de mentalité. Moi, je dirais que la repentance est un changement de conduite, est un changement de vie. En tournant les pages de notre Bible à notre texte de base, acte 17, verset 30, nous lisons. Lisez avec moi. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Le thème maintenant traduit le présent, qu'on y a même à tous les hommes, les suffit quiconque, riche ou pauvre, noir ou blanc, petit ou grand, employé ou employeur, savant ou analphabète, en tout lieu, c'est dans l'espace, dans le monde entier. Bien-aimés, chers amis, au cœur du discours de Paul à l'endroit de ces Grecs civilisés, l'apôtre Paul ne dénonce pas seulement l'idolâtrie, mais encore, Paul appelle les Athéniens à changer d'attitude et de vie. Ainsi, leur dit-il, ce que Dieu veut maintenant, c'est votre repentance. Un tel discours a eu des impacts positifs sur l'auditoire, au point que certaines personnes de l'Aréopage crurent en Jésus-Christ. Aréopage, c'était le tribunal spécial où les philosophes grecs analysaient les nouvelles doctrines. Mesdames, messieurs, des centaines d'années avant, le message de Dieu n'était pas différent, car pour Dieu, la repentance a toujours la priorité. Est-ce qu'on la fractionne?
Dieu bail repentance priorité sur tout l'autre péché ou ta commis. C'est ainsi au prophète Ézéchiel, Dieu dit en faveur d'Israël, je suis vivant, dit le Seigneur. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Ézéchiel 33, verset 11. Au premier siècle, l'apôtre Pierre a repris la même parole lorsqu'il s'adressait aux chrétiens. Il dit, Dieu veut que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. De tout temps, bien-aimés, amis des ondes, chers internautes, les païens étaient tenus responsables à cause de la révélation générale de Dieu qui leur a été donnée. Maintenant, avec la proclamation de l'Évangile, ils sont encore tenus responsables à cause de la Bible, la révélation spéciale de Dieu. Les païens doivent obéir au commandement de Dieu, se repentir de leurs péchés, juifs et non-juifs. Tous sont donc placés devant la même exigence qui est se repentir. Frères et sœurs, amis des ondes, chers internautes, quels que soient les péchés dont vous êtes coupables, que ce soit les péchés sur la liste citée plus haut ou bien l'autre péché, ce qui est important pour Dieu à l'instant même, c'est que vous repentez. Même avec Aréopagiste, parmi eux, Denis, Damari, repentez-vous et convertissez-vous. Quelle que soit l'ampleur de votre péché, ou bien quelle que soit l'ampleur de vos offenses contre Dieu, donnez-vous à Dieu maintenant. Ou bien, venez joindre Jésus, Jean-Yéa. Est-ce qu'on peut pas venir joindre Jésus à soi-là? Venez joindre Jésus, Jean-Yéa, c'est ça, texte, dis-nous. En vue du pardon de vos péchés pour le salut de votre âme. On raconte l'histoire de prêtre Vaudou, qui, dans la zone côté de Théa, était renommé pour méchanceté de qu'on fait. Bon Dieu t'a touché, on l'a lui converti. Tandis que ancien prêtre Vaudou, ça, t'a persévéré dans l'église côté de Théa, fait prier pour l'IA, en pile monde t'a opiné de part et d'autre sous monsieur ça. Il y a monde qui même rive dit prête vaudou ça même s'il convertit, il pas pour sauver parce qu'il fait trois bagages qui mal, il touyer trois monde. Soutenir en place monde ça qui ça ou t'a dit ou ben. Chers amis, bien-aimés, en dépit de tout ça où t'as capable de dire, la Bible répond. Quelle réponse la Bible donne-t-elle? Dieu ne tient pas compte des temps de méchanceté de quiconque. Ce qui importe pour Dieu, c'est qu'on change de conduite et qu'on se donne à Jésus. Une telle histoire capable de rappeler nous paroles nous chanter écrites et paroles sans doute chorales que Jésus de Salem va chanter pour nous là. Non, sauf qu'il dit, ou mais qui pensait ou fait trop péché, la vie finit pour vous, fardeau yo trop lourd. Jésus voulait pas donner vous, seulement repentir. C'est pour ça qu'il est mort, pour capable de sauver. Oui, chers frères et sœurs. Oui, amis des ordres, internautes nous yo. On peut faire une gestion efficace de son temps. D'abord, en s'appropriant à la grâce de Dieu et deuxièmement par la repentance. Il y a une autre question à répondre. Pourquoi
bien gérer son temps. La raison principale selon laquelle l'homme doit bien gérer son temps durant sa vie, c'est afin d'éviter le jugement imminent de Dieu. C'est afin d'éviter le jugement imminent de Dieu. Lisons les paroles de Acte 17, verset 31, qui dit, parce qu'il a fixé un jour, regardez bien dans votre Bible, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Frères et sœurs, amis des zones, internautes nous, la grande religiosité des Athéniens ne leur permettait pas de connaître Dieu. Malgré grande culture philosophique, ils vivent dans l'ignorance de ce fait. Pas de l'autre solution pour eux. Ils doivent, coûte que coûte, repentir. Le motif, c'est parce que Dieu a fixé un jour où, selon la justice, Dieu jugera le monde entier par Jésus-Christ. D'ailleurs, Dieu a donné à tous une preuve certaine, selon le texte, en le ressuscitant d'entre les morts. Chers amis, la preuve de l'authenticité de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ était sa résurrection. Pourtant, l'idée de résurrection que Paul a pu souligner était incompatible avec la philosophie grecque. De plus, le terme jugement personnel était pour les Athéniens un sujet difficile à avaler. Parce que eux-mêmes, ils apprenaient, mangeons, buvons, car demain nous mourrons après la mort, c'est le néant. Toutefois, le message de l'évangile prêché par Paul, frère avec Semion, t'est touché directement besoin de l'Athénio. Et les nous tournons, nous dans acte 17, nous avons précision que la Bible a fait pour nous. Après que Paul eut fini de prédire le jugement de Dieu sur tous les hommes, en particulier les Athéniens, quelques-uns crurent et notaient déjà Denis, Damaris, parmi les gens qui étaient croyants. Je dis encore, des hommes et des femmes de toute classe et de toute race dans le monde entier se trouve sombré dans l'égarement comme ces philosophes grecs. Parce que, yo encore ignorant, yo pas connaît jugement au jugement bon Dieu qui vient pour venir sous yo. Le jugement de Dieu est imminent, imminent, c'est-à-dire, le jugement de Dieu vient sans délai, sous peu. Vers les années 66, de l'ère chrétienne, contemporain, apôtre Pierre, yo te mettait en doute la venue du Seigneur pour le jugement des hommes et des femmes impies. Pierre profita de la circonstance et leur dit, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais, n'oubliez pas, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. De Pierre 3, verset 7 à 9. En outre, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, l'y déclarait, et nous citons, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 27. Plus loin de nous, le roi Salomon dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse.
Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ecclésiaste 12, verset 1er. Le jugement de Dieu est certain. Satan et ses anges seront jugés. Les incroyants de tous les temps feront également l'objet du jugement de Dieu. Ce groupe comprend les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, les rois et les sujets, les savants et les illettrés, les employeurs et les employés. Tous, sans partialité, seront coupables devant Jésus-Christ, le juste juge. Et ils seront jetés en enfer à jamais. Quant aux croyants, nous devons nous présenter devant Jésus-Christ pour être couronnés après l'évaluation de nos œuvres. Et il me faut vous rappeler, frère Vexemio, le jugement imminent de Dieu sera différent des jugements humains non équitables. Une autre histoire qu'on nous a racontée, c'est que dans un pays sous-développé, côté que justice pas trop respectée. Les gombagay qui t'est passé. Selon histoire, c'est un homme qui était accusé de une faute. Les autorités compétentes ont décerné un mandat pour que monsieur ça comparaître par devant un juge. Par coïncidence, personne qui était accusé, monsieur, juge là, c'était Zamil. Les accusés lui recevoir mandat pour lui comparaître, les lui garder loin, c'est juge Bal là, c'est Zamil Bal. Qui ça le fait? Lui relève juge là dans le téléphone pour demander comment ça y est. Est-ce qu'il met paraît? S'il paraît, est-ce qu'il a qu'un mille dans la prison? Avant le paraît. Je lui ai dit, non, mon cher, hein, vous m'êtes venu, vous pas qu'un béo, vous pas grand rien. Effectivement, les vignes vrai, je lui ai arrangé le libéré, monsieur. Frères et sœurs, les amis de vous, quel est le point de dire que qualité jugement que la Bible a parlé là, lui, pas comme ça. C'est peut-être ça. Même Jean-Jacques a tenu ça, qui t'a laissé convaincre par le message de Paul à l'Aréopage. Moi, invite aujourd'hui à vous remettre Jésus la vie. Parce que, en ce jour-là, au jour du jugement de Dieu, il n'y aura pas de favoritisme. Vous entendez maintenant la voix du Seigneur. N'endurcissez pas votre cœur afin d'éviter le jugement imminent de Dieu. Acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. C'est l'aspect le plus important de votre vie. Car votre âme est importante. Votre âme est la partie la plus importante de tout votre être. Et Jésus, connaissant cette vérité, dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Enfin, bien-aimé, en Jésus-Christ, amis des ondes, chers internautes, en dépit de votre rang social ou de votre statut intellectuel, ou encore de votre niveau économique, nous vous lançons un appel solennel à faire une gestion efficace de votre temps. Vous pouvez bien gérer votre temps en s'appropriant à la grâce de Dieu et par la repentance. La raison fondamentale, c'est pour éviter d'être tombé sous le jugement imminent de Dieu. Est-ce que vous croyez vraiment que bon Dieu n'a pas tenu compte de temps ignorant sur vous?
Oui, c'est la vérité. Moi-même, moi bénéficie ça. Est-ce que t'as voulu repentir? Je dis à même, oui, l'impossible. Parce que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Amen.